Good morgen, allez, Iden et Nessus, aujourd'hui, l'île Foua, Trahir, Rivka, Abat, la Sarah, Ben, Krama, Echana, Léa, Bad, Gitel, Vora, Betor, Shachol, Israël, si vous souhaitez aussi l'île, je ne vous donne contact à la cérémonie éternelle. Nous étions à Sarah, Psachim, Perek, Vav, Mishna, Vav. Shrato, Shalol, Leochlav, Vesholol, Limnouyav, la Rélim, la Tmim, Chayav. Leochlav, Vesholol, Leochlav, Limnouyav, Vesholol, Limnouyav, la Moulin, Vela, Rélin, la Tehurim, Vela, Tmim, Patou. Shrato, Venimsa, Balmou, Chayav. Shrato, Venimsa, Trefa, Basseter, Patou. Shrato venoda shemashru be'ali met yadam, o shemetu o shenit me'u, patur mipene sheshachat birshut. On continue un petit peu l'esprit de la mishnah précédente, de celui qui fait un korban pesach, mais mal, pendant Shabbat. Soit, lorsque pesach tombe le yom rishon, le lendemain de Shabbat, il faut apporter le korban pesach durant l'après-midi du 14, qui va tomber pendant Shabbat. La Torah, elle a dit, le Korban Pessah, vous transgresserez Shabbat pour faire le Korban Pessah. Mais si tu sors du cadre de la permission, tu transgresses le Shabbat. Je t'ai demandé de faire un Korban Pessah, je t'ai permis de faire le Korban Pessah, mais je t'ai pas permis d'annuler le Shabbat aujourd'hui. Pour la mitzvah du Korban Pessah, tu as le droit de repousser Shabbat. Ce qui est plus en rapport avec la mitzvah du Korban Pessah, tu transgresses plus le Shabbat. Du coup, là, on va parler maintenant, déjà depuis la mitzvah précédente, c'est le même principe, qu'il va faire la mitzvah du Korban Pessah, mais n'importe comment. Et du coup, il va se tromper. Il va sortir du cadre de la permission. Et la question sera de savoir, est-ce qu'il sera Khayav sur le fait qu'il a transgressé Shabbat, ou bien est-ce que le fait qu'il s'occupe en ce moment, qu'il fasse en ce moment une mitzvah, même mal, ça lui donne une dispense de toutes les punitions et de toutes les transgressions. C'est le sujet de la Mishnah, qu'on a déjà vu hier, à savoir lorsqu'il fait un Korban Pessah en guise d'autre chose, ou autre chose en guise de Korban Pessah. Maintenant, on va voir à l'intérieur dans le même Korban Pessah, lorsqu'il le fait mal. Par exemple, Shrato Shelo Leochlav, il le fait la Shrita du Korban Pessah Shelo Leochlav en pensant à ce qu'il allait être consommé par d'autres personnes. On avait déjà vu, d'abord, pour toutes les conditions qui invalident le Korban Pessah, on a vu une Mishnah explicite dans l'un des Perakim d'en haut, je ne sais plus exactement. C'était qu'il fallait bien, je ne le trouve plus tout de suite, mais c'est pas grave. Il y avait écrit là-haut, qui, voilà, c'était apparemment dans Perek Hei Mishnah Gimel, que là-bas on avait vu qu'il fallait faire la Shrita, penser au moment de la Shrita, que tel groupe de personnes allait le manger, ceux qui avaient été nommés sur ce Korban Pessah, et pas d'autres personnes, ou bien des personnes qui sont aptes à manger au moins un kazaït. Donc, quand Shrato Shelolochlav, s'il avait la Shrita du Korban Pessah, pour des gens qui ne sont pas capables de le manger, dans le même groupe de personnes, il devait y avoir, à part les jeunes de la famille, il devait y avoir les 5 arrière-grands-pères de 97 ans, qui de toute façon n'avaient pas la possibilité de mâcher et de manger un kazaï de Korban Pessah pendant Kedar et la passe. Il a pensé qu'à eux. Ça c'est Shelo Leochlav. Shelo Leochlav ou bien encore pour des gens qui n'ont même pas été nommés sur ce Korban Pessah. Comme on avait dit que le Korban Pessah, il faut se nommer par famille ou par groupe. Il faut être nommé sur le Korban Pessah. Lui, il a pensé à d'autres personnes. Il les a inversés. Au lieu d'avoir la famille Lévi, il a pensé à la famille Cohen. Ou bien encore la Harélin. Il a fait la shrita du Korban Pessah pour des gens qui n'avaient pas fait le Brit Mila. Ou encore la Tmin, pour des gens qui étaient impurs et inaptes à manger le soir. Donc, il s'avère que maintenant, le Korban Pessah qu'il a fait pendant Pessah, pendant Shabbat, c'est un Korban Pessah qui ne sera pas consommé. Il n'a pas du tout fait la... Il a fait une shrita qui l'a invalidé la shrita par rapport à la consommation. La Mishnah enseigne, il est chayav, il a transgressé l'interdit de Shabbat. Étant donné que maintenant, tu as fait un korban, tu as fait une shrita, où tu as rendu l'animal qui sera inapte à être consommé. Donc, du coup, tu as transgressé l'interdit de Shabbat pour rien. T'as pas fait de mitzvah du tout dans ce que tu as fait, tu seras chayav d'un korban. Petite question entre parenthèses, toute petite question, je rallonge pas dessus, mais quand même c'est bon à savoir, qu'il y a un problème technique. C'est que si le korban il est inapte à la consommation, alors par rapport à une chrote de Shabbat, c'est une shrita mauvaise. Vous savez bien qu'à Shabbat, on est chayav que sur une melechet marchevet, un travail qui est constructif, qui sert à quelque chose. Si tu fais quelque chose, mais à l'envers, mal, qui au contraire tu détériores au lieu d'améliorer les choses, tu es dispensé. En l'occurrence, pourquoi tu es chayav? Tu as fait un korban qui ne sera pas consommé. Alors si tu as pris je vous dis tout de suite, vous prenez un animal, ça vous prend pendant Shabbat de prendre une hache et de fracasser un animal, et vous le tuez, et vous ne serez pas chayav sur ça parce que vous avez massacré un animal. Vous serez chayav si vous le faites une shrita. Si vous avez un chien qui a besoin de manger, vous allez lui
couper même une jambe pour lui donner à manger. Au moins, il y a quelque chose de constructif dans l'ensemble. Tu as eu au moins une intention positive. Mais si là, le corban, tu l'as tué sans que ça te serve à quelque chose, en théorie, le corban, il sert à rien. Donc, tu ne devrais pas être rêve sur le Shabbat. Malgré tout, on est chayav parce que la Shrita a quand même permis de lever, certains interdits. L'Agmara rallonge beaucoup pour expliquer combien d'interdits. Notamment, il n'y aura plus d'impureté de Nevela. Notamment, un goy qui voudrait manger de ce corban, il ne transgressera pas l'interdit de lever Minachai. Étant donné qu'il y a quand même eu une toilette, il y a eu un intérêt quand même tant bien que mal de ce qu'il avait, alors c'est pour ça qu'il est chayav. Je quitte le sujet du Shabbat et je reviens maintenant sur l'essentiel de notre Mishnah, à savoir, pour le moment, on a vu des cas de figure d'un korban Pessah qui est fait de manière à ce que ce qu'il l'a rendu inapte à la consommation, donc il n'avait plus le droit de transgresser Shabbat pour faire n'importe quoi. Ok? Par contre, les Ochlav et Shelo le Ochlav, il a une double intention. Qui va y avoir les jeunes et les vieux qui vont manger de ce corban. Donc, il a une intention aussi pour les vieux qui ne sont pas capables de mâcher, c'est vrai, mais il a aussi une intention pour les jeunes qui sont capables de manger. Les jeunes, je m'entends, vous êtes très jeunes, vous avez 70 ans. D'accord, donc il a au moins une intention avec des gens qui sont aptes à manger. Donc, grâce à eux, pour eux, la shrita qu'il a fait, elle sera quand même validée. Puisqu'elle sera validée, il ne transgressera plus l'interdit de Shabbat. Idem avec les Mnouyav et Sholom Mnouyav, il a eu l'intention de le faire, pas que pour les Kohen à la place des Lévis, mais pour les Lévis et les Kohen en même temps. Donc en fait, pour les Lévis, c'est au moins leur bon Korban, et les Kohen, il s'est trompé, il les a rajoutés. Malgré tout, le Korban, il est cachère. Pareil aussi pour les Moulin et Velarlin, pour les gens qui étaient circoncis et les gens qui n'étaient pas circoncis. Il y avait une famille, on ne parle pas de gens pas circoncis qui sont des. Qui transgressent pour rien, on parle de gens qui ont même, s'ils sont malgré eux, il y a des problèmes de coagulation de sang dans la famille, donc du coup, après deux enfants qui sont morts, après le Brit Mila, trois enfants, la Halfix, qu'on ne fait plus le Brit Mila aux autres enfants. C'est dangereux pour eux. Il n'y a pas Vachai Baem Beloché Amoud Baem. Malgré tout, il n'aura plus le droit de manger le Korban Pessah. Malgré tout. Il a fait le Korban pour ceux qui étaient aptes à manger, et celui qui n'était pas apte de nouveau. Hein, ceux qui ont fait le Brit Mila, ceux qui n'ont pas fait le Brit Mila. Ou encore la théorie de la Tmin, il a eu dans son. Lorsqu'il a fait la Shrita du Korban Pessah, il a eu une intention pour ceux qui étaient purs et ceux qui étaient impurs. Ceux qui étaient impurs, ils ne pourront pas manger. Mais malgré tout, sa Shrita, elle a quand même fonctionné pour ceux qui. Seront aptes à consommer le Korban. Sur ça, le Mishnah me dit ben, pas tout, il sera dispensé du Korban Khatat, il n'aura même pas transgressé l'interdit de Shabbat, il aura fait une bonne Shrita Kshera. Maintenant. Shrato venim tsabal mum chayav. S'il a fait la shrita et qu'après il s'avère qu'il avait un défaut, le korban, il sera chayav. Mais, shrato venim tsa trefa baseter pato. S'il a fait la shrita et qu'il a vu en fait qu'il était taref, il était inapte à la consommation, mais baseter dans un membre interne, caché, alors il sera dispensé. Soit, c'est très simple, imaginez que vous prenez un korban pessah. Maintenant, il a une grosse verrue que sur l'œil. Mais vous ne l'avez même pas vu, vous avez fait la shrita. Sur ça, on va te dire, mais tu seras chayav khatat si tu l'as fait la shrita. Tu ne pouvais pas, il fallait que tu ouvres les yeux, que tu voyais qu'il avait un défaut énorme, ce korban. Donc tu as une responsabilité dans ton acte. Tu n'es pas anus. Il fallait regarder, il fallait voir, il fallait le vérifier. Il y a ici une transgression du Shabbat. Par contre, si extérieurement il était parfait, tu l'as ouvert, tu as réalisé qu'il n'avait même plus de cœur et plus de poumons même. Donc il était mourant, c'est un vrai taref, il avait un trou dans le poumon. Donc tu ne pouvais pas prévoir le coup. Tu as vu une mitzvah de faire la shrita, tu fais la shrita, il s'avère que le korban il est invalidé parce que l'animal il est impropre, il est taref. Là, il sera dispensé du korban, de la transgression du Shabbat, parce qu'il a fait tout ce qu'il avait dans ses mains à faire, il est irréprochable. Dans ce cas-là, ça s'appelle ones. Shrato venoda shemashro abealim et edam. Nouveau cas de figure. Vous savez qu'il faut se nommer sur le Korban Pessah. Donc en fait, on avait les cinq membres de la famille Kohen, de la famille Lévi, qui s'étaient nommés sur ce Korban Pessah. Lui, maintenant, il est parti faire la Shrita en disant « Ah, comme ça, la famille Lévi va pouvoir manger le Korban. » Il s'avère que la famille Lévi, ils ont décidé que finalement, le Korban qu'ils ont envoyé n'était pas assez beau, ils en ont trouvé un meilleur. Donc ils se sont retirés du Korban. Il s'avère que maintenant, moi je suis dans la Hazara pendant Shabbat après-midi en train de faire la Shrita. Je pense à la famille Lévi. Eux, ils m'ont planté. Moi je me retrouve maintenant à faire un Korban qui ne sert à rien. Mais est-ce que je suis fautif? Non, j'étais envoyé par eux. Eux, ils ont décidé de changer. Moi je suis
Vous comprenez bien que je ne peux pas, moi, de la Hazara, repartir vite à la maison pour m'assurer qu'ils sont encore d'accord, revenir à la Hazara pour refaire la Shrita, et éventuellement même repartir encore une nouvelle fois pour m'assurer qu'ils n'ont pas changé d'avis. Il y a une limite. Ils m'ont envoyé en disant que c'est leur korban, j'arrive, je leur fais la Shrita, je lui fais la Shrita, je ne suis pas censé soupçonner qu'ils allaient éventuellement changer et décider de prendre un autre korban. Dans ce cas-là, je suis dispensé du korban. Idem, au Shemetu, tout, bien que le propriétaire il est mort. Qu'est-ce que je pouvais faire? Il m'a envoyé. Ils m'ont envoyé. Les pauvres, ils sont tous morts dans la famille. Et moi, je me retrouve avec ce corban maintenant qui sert plus à rien. C'est vrai. Mais j'ai pas de nouveau d'obligation au moment où je fais la shrita de m'assurer qu'ils sont encore vivants. Comme ce qu'on a dit, sinon je vais jamais m'en sortir. Je vais revenir dans la Zara, je vais repartir m'assurer qu'ils sont encore vivants. Je vais revenir dans la Zara. C'est normal. Je suis à Nous. Oh, chez Mitmeo, bien même. Ils sont tous devenus impurs. Même principe, pas tour. Il sera dispensé du Khatat, il n'aura pas transgressé le Shabbat de Shogeg, il n'aura pas de Khiyuv Khatat dans un cas pareil. Pourquoi? Il peut nier chez Shachat Birchut, parce qu'il a fait la Shrita avec permission. La Torah, elle t'a dit, c'est une grande règle qu'il faut savoir. C'est assez délicat, c'est un très vaste sujet. On avait évoqué souvent, quelquefois, depuis Maseret Horayot, quelquefois, ça nous était arrivé de parler de ce sujet, à savoir la limite entre le Shogeg et le Anus, la limite entre l'erreur par inadvertance, mais reprochable tant bien que mal. Le cas où c'est Anus, c'est vraiment, t'as aucune responsabilité sur ton action. C'est un sujet vaste à définir exactement, parce que, comme dans tout, on va approcher certaines limites délicates, où dans ce cas-là, on va dire que c'est Anus, dans ce cas-là, on va dire que c'est Shogeg. En l'occurrence, en tout cas, un principe de base, c'est que dès que t'as fait ce qu'il fallait faire, te soucie pas que finalement, il y a autre chose. C'est une grande règle dans tout. Dans plein de situations, là, Corban, en l'occurrence, ils t'ont envoyé pour faire le Corban, tout était tout à fait normal, t'avais pas à te soucier qu'il y a eu peut-être autre chose. D'ailleurs, sinon, on n'aura jamais fini, c'est un élément très important que j'évoquais, on n'aura jamais fini de vérifier, et on peut pas non plus perdre la tête, on est obligé de faire le Corban Pessah dans l'après-midi, donc les gens ils m'ont envoyé, je dois pas me soucier qu'il y a eu peut-être du changement derrière. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.